Mais regardez-moi cette petite carotte, petit pull bleu, boucle d'oreille à fleurs, vernis à ongles, un vrai cupcake. Aujourd'hui, je suis une vraie fille. Salut les gonzes, I guess. So, today I wanna get some family stuff, you know, I wanna get down to business. Donc pour ceux qui parlent pas anglais, aujourd'hui je voulais vous montrer... Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Mes essentiels du moment. Ces trucs que j'utilise beaucoup, qui me plaisent beaucoup et surtout qui me simplifient la vie. J'appellerais ceci les essentiels d'une flemmarde. On va commencer par le truc le plus improbable, ces petites choses. Alors, comment expliquer ça sans passer pour une grosse crados? C'est pas que je lave pas mes fringues, mais c'est tout comme. J'exagère un peu, hein, ou pas, mais j'essaye de faire le minimum de machines parce que c'est écologique. Et aussi parce que j'ai un peu la flemme. Mais à part ça, si je porte un jean, je vais pas le porter une fois et le laver direct après, si? Ces trucs-là, ce sont des petits sachets. Où es-tu? Où es-tu? C'est des petits sachets comme ça qui sentent très fort et très bon la lessive. C'est de la marque Cocolino, donc une marque d'adoucissant. Et ce que je fais, c'est que je les mets eh ben, absolument partout. Dans mes armoires, dans mes placards, là où il y a mes habits propres, mais aussi sur ma pile d'habits que j'ai déjà porté mais que j'ai pas encore lavé. Comme ça, personne ne sait que je porte un pull depuis plusieurs mois. L'odeur est vraiment forte et ça dure environ 2 mois. Ce que je fais aussi, c'est que je les mets dans mes valises quand je pars en voyage et du coup, quand je l'ouvre, it's so good. Restons dans le thème des habits et je vais vous montrer ce que j'adore, enfin la seule chose que je porte en ce moment, presque, les gros pulls de couleur assez vive. Mais why you like this, carotte, vous allez me demander, ou pas. De 1, c'est ultra méga confortable. De 2, ça donne bonne mine. Du coup, ça m'évite de me maquiller, souvent. Ou du moins, je me sens moins cacapoute si je me maquille pas. Et dernièrement, ça m'évite de passer 3 heures à choisir une tenue parce que je trouve que avec des pulls gros comme ça, aussi flashy, bah c'est ce qui se voit le plus dans la tenue. Du coup, le reste, on peut mettre n'importe quoi. Et donc, par exemple, celui-ci vient de H&M. Celui-ci aussi, il vient de H&M et j'ai eu énormément de questions sur Instagram parce que je l'ai en photo de profil. Et celui que je porte ainsi que celui-ci, qui en fait est une robe, ce qui est encore mieux pour une flemmarde parce que tu mets ça avec des cuissardes et good to go, ils viennent de Bershka. Évidemment, je vais vous parler de mes cuissardes parce que comme je dis, c'est un truc qui habille hyper facilement quoi. Ça peut être classe, sexy. Je suis très contente car je n'ai pas besoin de passer 3 heures sur ma tenue. Et celles-ci, je les aime beaucoup parce qu'elles sont confortables, elles sont pas trop hautes, donc ça fait pas too much. Elles sont pas trop serrées, du coup ça fait pas effet boudiner, petit saucisson au niveau des cuisses, qu'on adore. C'est la marque H et je les ai trouvés sur le site Sarenza. Alors vous avez pu remarquer que je suis plus trop maquillage. C'est très rare que j'achète des nouveaux produits, sauf récemment, car j'ai trouvé my holy grail, ceci. Si je peux éviter de me maquiller, et ben tant mieux. Mais si je dois faire quelque chose, aller voir quelqu'un, etc., j'ai un rendez-vous, j'aime me concentrer sur une partie de mon visage pour pas dépenser trop d'énergie, tu vois. Et en ce moment, c'est les yeux. Et ça, c'est génial. En fait, c'est la seule palette où j'ai toutes les couleurs dont j'ai besoin. Et c'est des couleurs vraiment... C'est magnifique, quoi. C'est très très rare que je parle avec autant de passion d'une chose, mais là, c'est de l'amour, quoi. Ça, pour moi, c'est les dernières minutes d'un coucher de soleil au bord de l'eau avec une petite bière sans alcool en écoutant de la musique, genre du broken back, tu vois. Donc si vous hésitiez, vraiment, n'hésitez plus. Hein. Donc la Naked Heat de Urban Decay, elle est juste top. J'aime manger, j'aime beaucoup manger. Du coup, j'ai tout le temps besoin d'un encas. Idéalement, dans un monde parfait, mon encas parfait, ce serait une banane. Sauf que manger une banane en public, quand même, c'est chelou. À part si tu te caches pour la manger, mais du coup, si on te trouve caché en train de manger une banane, c'est pire. Donc si comme moi, vous aimez les encas qui sont faciles à transporter, rapides à manger, mais qui sont bourratifs quand même, et en plus de ça, qui sont sains, eh bien, j'ai trouvé la solution. C'est des barres de fruits qui sont organiques et qui sont raw, donc cru. Il y a plein de goûts, il y a plein de bonnes choses et en plus de ça, c'est bon quoi. Et récemment, j'ai découvert ceux-là. Et je les adore tout simplement parce que ça ressemble à des petits cookies. Genre, tu manges un truc qui est ultra sain, mais qui ressemble à un truc bien pas sain du tout. Je fais, je crois, pour le voir et je ressentir. Voilà.
C'est tout ce que j'ai à dire. La plupart sont organiques, vegan, et il y a vraiment plein de goûts différents. Moi, je les trouve dans mon magasin bio local. J'essaierai de vous trouver les liens et de vous les mettre en barre d'infos. Un truc qui m'a sauvé la vie, ou du moins ma vie de flemmarde, c'est une application. Et je suis presque sûre d'être la dernière sur Terre à prendre connaissance de ceci. Google Translate, c'est une abonnée que j'ai rencontrée au Japon qui m'a montré ça. Là, par exemple, nous avons des masques japonais. Et il y a des choses écrites dessus que je ne comprends pas. Moi, j'aime bien savoir ce que je mets sur mon visage, mais je ne veux pas rechercher chaque mot sur Internet ou dans le dictionnaire. Du coup, la solution est de prendre son téléphone, faire une petite photo, c'est cheese, et il suffit de passer son doigt sur les mots que l'on veut traduire et nous avons la traduction directement. What you want plus. Par contre, ça traduit pas toujours très très bien, mais on arrive à deviner. J'aime bien lire. Oui, j'aime bien lire. Et j'aime bien les choses qui parlent du développement personnel. Pas trop non plus parce que j'ai pas envie d'être conditionnée. Par contre, j'aime beaucoup, vous le savez, les livres de Eckhart Tolle. Et j'ai déjà lu Le pouvoir du moment présent ainsi que Une nouvelle terre. Mais c'est gros, c'est long, c'est des fois c'est chiant. Du coup, j'ai très souvent avec moi la version miniature. En fait, c'est un peu un résumé. Il y a les choses les plus importantes, quoi. C'est très facile à lire, c'est super agréable. Donc ça s'appelle Quiétude, à l'écoute de sa nature essentielle. Son message d'une grande simplicité nous invite à dépasser le mental et les émotions pour découvrir la paix intérieure, la sérénité et la nature essentielle de l'être. Donc si vous aimez bien de temps en temps lire des choses sur le développement personnel, mais que vous avez la flemme de lire les bouquins en entier, bah, je vous conseille vraiment celui-ci. Voilà mes chupus. J'espère que ça vous a plu, que je vous montre mes petits trucs du moment. En attendant la prochaine, on se retrouve sur les réseaux. Et moi, je vous fais plein de... Mouah.